Il vous adore vraiment les Américains, Patrick Braudet, bon, parce que Clint Eastwood, ah oui. Clint Eastwood, il est trop modeste. Vous a demandé en 2018 pour son film sur l'attaque terroriste, donc dans le Thalys, il vous a demandé d'incarner le président François Hollande. Ouais, bah, vous voulez vous, Clint Eastwood. Il faut dire que j'avais joué déjà deux fois Hollande, une fois pour Yvan Attal, une fois pour Bernard Stora, donc j'étais le Hollande officiel. Voilà. J'étais la doublure quand Hollande devait aller dans des trucs dangereux. On m'appelait, on disait vous voulez pas y aller à cette voilà, place. C'est ça. J'avais les gardes du corps. Enfin voilà, quand il pleuvait, c'est toi qui allais sur les Champs Élysées. La doublure officielle de Hollande. Et du coup, non, en fait, Clint Eastwood voulait avoir vraiment Hollande dans le film. Ouais. Ils l'ont contacté longtemps. Vraiment. Et puis, Hollande n'a pas voulu. À l'Élysée, on n'était pas trop chaud pour ça. Alors, il n'était plus président à l'époque, mais Hollande n'a pas voulu le faire. Du coup, il a entendu. Peut-être on lui a montré des trucs. J'ai passé le casting quand même. Et du coup, j'ai été pris pour faire le film. Bon, c'était une scène, formidable. Dirigé par Clint Eastwood. D'avoir un selfie avec Clint Eastwood. Rien que ça, ça va du coup.